les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, mesdames et messieurs, permettez-moi à l'entame de mes propos, mesdames et messieurs les ambassadeurs, de vous souhaiter à mon tour une belle et heureuse année pour vous et votre famille et vos pays respectifs, ainsi qu'à leur excellence, Altesse et Roi que vous représentez ici. 2021 a été l'année d'un profond changement en Guinée et vous avez été ici les observateurs de ce changement de cap majeur dans l'histoire de notre pays. Maintenant, comme par le passé, nous réaffirmons notre appartenance à la communauté internationale. Dans la même veine, nous continuerons à respecter tous les engagements internationaux auxquels notre pays est parti. À titre humanitaire, j'ai accédé à la demande des soins médicaux à l'étranger pour l'ancien président, professeur Alpha Condé. Il ira dans un pays de son choix dans les prochains jours. Je profite donc de cet instant pour saluer les pays amis qui ont œuvré à cela. En tant que pays membre et fondateur de la CEDEAO, de l'Union africaine et membre de l'Organisation des Nations unies, la Guinée travaille de concert avec ses institutions dans la fraternité et l'amitié afin qu'elle accompagne le processus de transition. Je voudrais donc vous demander, en tant que digne représentant de vos différents pays, de continuer à renforcer nos relations pendant et après cette paisible transition que nous voulons inclusive. Encore une fois, à vous-même, à vos familles et à vos pays respectifs, je vous souhaite une année de paix, de santé et de prospérité. Je vous remercie.